Eh bien, bonjour à tous et à toutes la famille YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va très très bien, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve. Alors, attendez, je replace le micro. Voilà. On se retrouve pour le 53e épisode déjà. Ça passe très très vite. Donc, il n'y avait pas eu donc de vidéo du Let's Play, enfin même de vidéo la semaine dernière parce que j'étais en vacances, donc je n'ai pas pu en faire, voilà, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, il y a le rythme qui va revenir. En plus, il y a le PVP Games, donc il y a les épisodes de PVP Games, donc tous les lundis et vendredis. Mercredi, il y a le Let's Play. Puis voilà. On va faire le petit rituel, comme vous le savez, en début de vidéo pour synchroniser les voix. C'est parti. RB, LB, RB, LB. Voilà, nickel. Ok. Bon, je fais juste de mon recours là sur le serveur et on va un petit peu continuer. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux villageois. Aujourd'hui, on va créer un comment ça s'appelle déjà? Merde. Un reproducteur à villageois infini, les amis. On va vraiment s'intéresser un petit peu aux villageois. J'ai cherché énormément sur YouTube pour un reproducteur villageois. Tout ce qui est sur PC, ça ne marche pas. Voilà. Et j'ai cherché un truc, donc j'ai repris vraiment plusieurs trucs. J'ai fait un truc, donc je me suis dit, putain, mais pourquoi ça ne devrait pas marcher, sachant que il me semble que pour faire un villageois, faut faire avec trois portes, simplement. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un carré de 10 par 10, vous allez voir. J'ai fait un petit carré de 10 par 10, et ensuite j'ai tout simplement mis des portes tout autour. Et ça marche, voilà, donc très très simplement. Je sais que mon ancien, ben, ça ne marchait pas, il y avait même des villageois qui disponaient, je ne comprenais pas pourquoi. Mais je pense que ça va durer plusieurs épisodes, tout simplement concernant les villageois. Parce que là, on va faire le petit reproducteur, et ensuite on va s'intéresser. Est-ce que. Ouais, je vais juste. Pendant que je parle, je vais aller poser les minerais, tout ça. Donc on va s'intéresser et comme vous le savez là-bas il y a le marché on va voir ce que nous proposent les villageois et nous on va choisir, on va faire un choix si oui on veut les garder ou non et peut-être qu'on va faire une nouvelle usine à fer mais ça je n'en dis pas plus. Voilà. Donc il faudra que je termine quand même cette... Est-ce qu'il y a du charbon? Ouais. Non, il y a du charbon un peu partout. Ok, il n'y en a pas partout en fait. Donc on va juste replacer le charbon. L'inconvénient de cette usine, à vrai dire, c'est qu'en fait, quand on met du charbon pour du comburant pour les fours, en fait, ça remet au premier four. C'est-à-dire, voilà, et vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup là dans les premiers fours. Alors que dans certains, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est assez chiant, voilà. Donc il faut les replacer un petit peu comme ça, mais bon, c'est pas trop trop grave. Hop. Donc voilà, comme je vous ai dit les amis, on va s'intéresser vraiment aux villageois et peut-être que par la suite on verra ce qu'on pourrait faire avec les villageois et des trucs sympathiques. Mais moi c'est ce que je veux vraiment pour les villageois, vraiment un truc bien sympa. Hop. Tac. On va en remettre un petit peu. Voilà. Et surtout faire du trading avec ça parce que je crois qu'il me manque quelques succès. Il me manque le succès, je crois, faire du avoir des émeraudes avec les villageois, des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment envie d'en avoir. J'ai vraiment envie d'en avoir. On fera également donc des usines à canne à sucre parce que les villageois, il me semble, les bons villageois qui peuvent nous permettre d'avoir pas mal d'émeraudes, et ben c'est canne à sucre, du charbon. Donc on a l'usine à charbon qui est l'usine à Wither, donc qui est l'usine à Wither. Qu'est-ce que nous avons également? Nous avons aussi, donc hop, ça on va le mettre dans le trieur parce que, attendez à moins que bon, on va le garder, on va le garder, on sait jamais. Ah, ce qu'il va nous falloir par contre, c'est des chemins de fer, tout ça pour amener les villageois. Donc ouais, voilà, j'aimerais vraiment faire du trading. J'ai vraiment un bel accent quand même. Non, je rigole. Non, sérieusement, ouais, donc faire ça pour avoir. On peut avoir des pioches, on peut vraiment avoir de très très bons trucs. Bon, les sels, j'en ai vraiment plus besoin avec toutes les sels. J'ai presque un coffre simple de. Qu'est-ce que je voulais faire? De sel, donc ça c'est pas trop un souci. Qu'est-ce que je voulais faire, les amis? Je ne souviens. Ah voilà, les rails.
On va prendre des rails. Le bois, je pense que j'en aurai assez. Tac, on va prendre ça, on va prendre ça. Ouais, je pense que... Voilà, on va en prendre deux, on sait jamais. Ai-je un seau d'eau? Non, je n'ai pas de seau d'eau. Je crois que je dois avoir ici. Voilà, hop, tac. Nickel. Ok. Donc voilà. Donc, comme ça, vous savez, on va dire globalement ce qu'on va faire sur les prochains épisodes. Donc, on va vraiment s'intéresser aux villageois. Il y a beaucoup de choses encore à faire sur le let's play. Si vous avez des idées de construction que vous aimeriez avoir ou même de système de redstone, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout ça, on va automatiser tout ça, les amis, ne vous inquiétez pas. Et donc, on va faire vraiment des trucs très très bien. Et je vais tout simplement aussi reprendre donc la série qui est. Vous savez, j'avais fait une petite série avec des redstone, enfin des tutos redstone. Et ça, je vais reprendre. Voilà, ça, j'ai des nouvelles idées pour les tutos redstone. Donc, on va s'intéresser là-dessus aussi. Voilà, donc, est-ce que. Ouais, je vais juste aller nourrir les petites vaches. J'ai même pas d'enderpearl. Ok. Ah oui, j'avais posé le beacon. C'est vrai, on a même un nouveau beacon, quoi. Je sais même pas où le placer. Mais bon, il faudrait qu'on ait une nouvelle usine à faire parce que là, voilà quoi. Ah d'accord. Bon ben, on va pas les reproduire alors. On le fera une prochaine fois. Donc voilà. En plus, je suis presque niveau 50. Franchement, j'ai rien à enchanter à part peut-être l'armure après. Mais bon, pour le moment, voilà. On va garder le niveau. J'espère surtout ne pas mourir, sinon ça serait bête. Bref, alors, on va prendre des matériaux. Normalement, j'ai un coffre vers là. Voilà, un coffre ici. Je crois que j'ai des... Ouais. Ok, j'ai des trucs bien sympathiques là. Voilà, on va prendre tout ça. Et donc, c'est ici qu'on avait donc notre petit reproducteur villageois. Mais il n'y a plus rien. J'avais même mis deux villageois dedans. Il n'y a plus rien. Donc, bien sûr, il y a un golem et châtiment 4. Ouais, je pense que ça ira. Toi, tu vas mourir. Hop. D'accord. Ah ouais, toi t'es comme ça. Ok, nickel. Bon, alors c'est parti les amis. On va construire donc notre petite usine à reproduction. Ah, on a déjà pas mal de canne à sucre. Ok. Donc déjà, on va voir. Comme je vous ai dit, on va faire un carré de 10 par 10. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, on peut casser. Nickel. Hop, on va casser tout le long. Hop. Et donc là, on enlève aussi. On enlève les portes. Comme ça nous fera déjà pas mal de portes. Ça, c'est nickel. Par contre, j'aurai pas cette place pour là. Hop, on va poser tous les matériaux. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop. Ça n'a pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ok. Bon voilà, donc déjà c'est pas trop mal, ça sera assez rapide vu qu'on a déjà fait la construction du truc. Et ensuite on fera des sortes de chemins avec des canaux. Et pourquoi pas en fait, vous savez j'ai le marché au niveau de ma base. Donc là je verrai, mais je pense plutôt faire donc une sorte de grand, on va pas dire un grand grand truc. Mais ouais, on va dire une construction de maison, là où on fera vraiment un marché, hein, vraiment un très très beau marché. Un petit peu style, je sais pas. Ouais, je sais pas trop comment style un petit peu. Je sais pas si vous voyez un petit peu le style sur Battlefield 3, on va dire, on va reprendre un jeu. Battlefield 3 sur la map Grand Bazar. On va dire voilà. On va dire style marché comme ça, mais bon, ça on verra par la suite. Mais comme vous savez, en construction et moi, la construction et moi, c'est pas trop 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 ça. Hein, voilà. Bon. Hop, on va construire ça. Tac tac. Hop, j'espère qu'il faudra pas décaler. À mon avis, il faudra décaler le. Et s'il faut décaler tout ça, alors attendez, on va vérifier vite fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nickel. Oh là, on est très très bien. Ça, c'est vraiment bueno. Hop. Tac, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais enlever. Voilà, ça. Hop. Nickel. Tac. Voilà. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon.
Hop, donc là. Oula, il y a un souci, attendez. 1, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Ok. Donc voilà. Donc on va faire hein, tout simplement ce reproducteur à villageois. Alors comment ça marche, on va dire, les villageois, vite fait. Hein, vite fait. Je me suis pas trop intéressé, c'est vrai, aux villageois. Par contre, j'ai pas de. Bon, c'est pas grave, on mettra des torches. C'est vrai, je me suis pas trop intéressé aux villageois. Mais je sais que par exemple, pour faire un village, on va dire, donc je sais que pour le village, enfin ça dépend. J'ai regardé des vidéos et il y a des personnes qui m'ont dit par exemple, on va dire que là, hop, tac, on met une porte et on met. Attendez. Non. Tu veux pas te mettre au-dessus? Ok, bon, hop. Voilà, nickel. Donc voilà. Donc moi, on m'a dit par exemple, quand on fait, on va mettre 3. Hop, 3 dans cette direction et ici on va en mettre 4. Voilà. Donc là on m'a dit par exemple que ça faisait pas, ça faisait une maison comme ça faisait pas un village. Voilà. Donc là nous avons une maison et en fait il faudrait reproduire donc ce système-là par 3. Donc c'est-à-dire qu'un village, il me semble que c'est 3 portes, c'est ça. C'est quand on met 3 portes d'affilée, ça nous fera un village. Et ce qu'il faut savoir déjà pour faire une maison, c'est qu'il faut que le chiffre qui soit donc au niveau de la porte qui est derrière, vous pouvez voir que le bloc. Enfin, que la porte est placée en haut du bloc, il faut que tout ce qui est derrière soit inférieur à ce qu'il y a devant. Voilà. C'est-à-dire que là, nous avons 3 et 3. Ce n'est pas compté comme une maison. En revanche, on place là un bloc, c'est compté comme une maison. Par contre, si on en place plus 2 ici, non, ça ne marche pas. Il faut que ça soit vraiment obligatoirement ici pour que ça soit supérieur. Bien sûr, ça marche avec avec du verre aussi. Donc on peut faire un système d'automatisation, d'automatisation, d'accord, d'automatisation de reproduction ou pas, c'est-à-dire que par exemple, on ne veut plus que les villageois se reproduisent, eh bien on arrête le système avec en plaçant du verre tout simplement. Et si on veut que ils se reproduisent ou pas, eh bien on a juste à remettre les blocs normaux, voilà, tout simplement. Hop, voilà. Donc j'espère que vous avez compris ça, les amis. Hop, les échelles, on va les enlever. On va passer la porte, voilà. Hop, les portes, ok, je les ai plus. On va en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tac. Hop, on place les portes. Hop. Voilà. Hop. Et les deux dernières, normalement. Voilà, nickel. Donc c'est bon les amis, nous avons notre village. Donc surtout n'oubliez pas de mettre des torches, c'est très très important pour les zombies. Il ne faut vraiment pas qu'ils spawnent. Bon moi c'est vraiment très très bien éclairé, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, faut surtout faire attention au niveau des zombies. Faut vraiment pas qu'ils spawnent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un petit escalier. Ok. Voilà. Ok, nickel. Voilà, donc on s'est fait un petit escalier, tranquillou. Ok, j'ai mis une échelle, voilà. Donc voilà, donc ça c'est bon les amis. Donc nous avons notre... J'ai pas de terre, ok. Bon, c'est pas grave, on va le laisser là au cas où. C'est pas trop gênant. Donc, nous avons notre... On va dire notre maison pour les villageois. On va dire même notre village, parce que c'est un village. On va mettre des torches un petit peu... Voilà, pour pas que les zombies spawnent, sinon ça va servir à rien. Ça va nous faire un générateur de zombies, quoi. Et donc là, tout simplement, nous allons faire, hop, des petites barrières. Donc, hop, pourquoi? Tout simplement parce que on va les placer sur les côtés. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va placer des barrières sur les côtés, c'est-à-dire ici. Donc, on va placer une, et quatre, voilà. Ici, on va pouvoir casser. Voilà, on va casser jusqu'à 3, je pense que ce sera pas trop mal. Jusqu'au bout de la pelle. Voilà. Nickel. Donc pourquoi on a mis des barrières sur les côtés avec des trous? Ensuite, on va faire un petit canot, un petit canal d'eau qui va rejoindre chaque trou dans la direction la plus simple. Je pense que ça sera dans cette direction, il me semble. Hein. Parce que là ensuite, ouais, là on a de l'eau. Au pire, l'eau, je peux la reboucher. On pourra faire un petit truc là. Là ou vers où?
Alors je la fais vers là, mais sachant qu'il y a une mine là. Je sais pas trop encore les amis, on va voir. Autant oui, je peux la faire. Autant je peux la faire dans cette direction là. Ouais, on va voir, on va réfléchir. Ok. Donc pourquoi j'ai mis des barrières sur les côtés? Tout simplement parce que quand on va juste mettre deux PNJ, deux, on va dire. Un papa et une maman, on va dire, voilà. Et les bébés, ils vont tout simplement aller se diriger vers les côtés. Comme vous le savez, les PNJ, la plupart du temps, ils se dirigent sur les côtés. Et donc, moi, je vais mettre tout simplement. C'est vrai qu'on peut en mettre qu'un. Mais ça irait un petit peu plus vite parce que si ils grandissent et qu'ils vont pas sur un côté, normalement, ils le font. Mais moi, pour plus de sécurité, je préfère mettre 4 sur les côtés. Ensuite, j'ai juste à relier les 4 coins dans une direction. Et ça, c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est tout simplement que les PNJ, donc les bébés PNJ vont se diriger sur un des quatre côtés et ils vont tomber parce que vu qu'ils font juste un bloc en dessous, enfin ils font un bloc de hauteur, ils vont passer à travers. Voilà. Des fois il peut y avoir quelques soucis de bug, c'est-à-dire que les PNJ, les papas ou enfin les adultes quoi, tombent à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, c'est juste un bug graphique, ils remontent tout de suite. Voilà, hop, nickel, voilà, hop, c'est bon. D'accord. Donc ça c'est bon les amis, on va maintenant faire le petit canal. Je pense que je vais relier les trucs après. Donc comment on va se faire? Donc ce qu'on va faire c'est que on va faire le canal dans laquelle direction? Dans cette direction là. Hop, voilà, nickel. On va faire hop, voilà, hop, là par contre, non. Tac et tac, voilà, nickel. Ok, donc là c'est Bruno, la dernière petite tranchée, voilà. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais juste, voilà, bah tiens, j'ai une ouverture là. Hop, je vais récupérer un petit peu de cailloux. Hop, voilà. Parce que j'aime bien mettre quand même des blocs, on va pas dire blocs pleins, mais des trucs durs quoi, parce que la terre. Voilà. Ok, nickel. Par contre, je crois qu'il va me falloir un seau d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ça tout de suite. Tac. On va. Non, j'ai du fer là. Ouais. Voilà. Voilà, nickel. Hop. On prend de l'eau. On a une source d'eau infinie. Voilà. C'est bueno. Et on va pouvoir mettre. Ok, j'ai eu peur. Voilà, ça c'est bon. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt, voilà, comme je vous ai dit, hein, de la surface dure. Hop, voilà, hop, on met de la brique de pierre sur tous les côtés, sachant que ça sera donc dans cette direction que on va partir. Voilà, nickel. On va mettre des torches. Parce que s'il y a des zombies là qui spawnent dans le canot, dans les canaux là, ça va pas être bon. À chaque fois je dis dans le canot, mais c'est pas du tout ça, c'est dans le canal. Hop. Ok, nickel. Voilà, hop, on va mettre des petites torches. Là, ok, donc là c'est ouvert, nickel. Pardon. Ok, donc là c'est allumé. Super bueno. C'est bueno complet. Voilà. Donc ce que je vais faire une source d'eau infinie. Ok, c'est pas du tout comme ça que je voulais faire. Hop, voilà. Ça c'est bon. Hop. Voilà. Ok. Donc on va passer de l'eau. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pas que ça gêne au niveau de ça? Donc à mon avis, il va falloir que je fasse des. On va vérifier. On va placer. Donc vous allez placer les sources d'eau directement sur les côtés. Hein, on va bien voir. Voilà, tac. Ensuite, on va mettre une source d'eau. Comment est-ce que je vais faire? Sachant que ça arrive comme ça, donc là, voilà, donc c'était sûr. Donc on va mettre, hop, pardon. En plus, je crois que c'est la bonne truc pour comment ça s'appelle? Je sais comment on va faire. On va mettre une pancarte. Tac, tac. Ah voilà, nickel. Hop, on va prendre une petite pancarte, nickel. C'est la bonne distance, voilà, c'est ce que je cherchais comme le mot.
C'est tout simplement que c'est la bonne distance pour l'eau. C'est-à-dire que, hop, vous allez voir que l'eau, normalement, elle arrive juste là. Ah ben juste, voilà, nickel. C'est bueno, ça. Donc, elle arrive vraiment juste là et c'est très, très bien. Alors, par contre, comment... alors, attendez, je réfléchisse. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va placer de l'eau à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Et donc, normalement, si je place de l'eau, s'il te plaît, voilà. Si je te... Voilà, nickel. Donc normalement, ils ne devraient pas remonter les PNJ parce qu'ils vont faire ça. Et ensuite, bon, là peut-être qu'ils vont... Je sais pas s'ils vont perdre des cœurs. Ça m'étonnerait. Mais... Non, non, ils devraient aller assez vite. Donc ils ne devraient pas perdre de cœurs. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Donc ça, c'est bueno. Même au pire, ce qu'on peut vraiment faire, voilà, c'est que... Voilà, vous cassez là au cas où. Et on va mettre... Voilà, on va mettre une dalle en hauteur. Voilà. Une dalle haute, voilà, c'est la même chose, comme ça au moins, voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. Hop, pardon, voilà, merci. Ok, ça c'est bueno les amis, on commence très très bien. Là, nous avons de l'eau ici, donc on va faire la même chose, il me faut d'autres pancartes. Hop, voilà. Hop, bouin, ok, je peux pas descendre. Ah! Ah bah attendez par là. Voilà. Hop, on met de l'eau ici. Et non, quel con. Pas là. Bon, il faut en mettre là et ici. Voilà. Donc non, là, nous avons de l'eau. Là, on enlève ça. On met une dalle haute. Voilà. Et normalement, ça arrive directement. Dans cette direction, les amis, ça c'est très très bien. Donc voilà, donc on a fini notre direction pour les canaux. Voilà. Oh putain. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a fait? Ok, bon, ça avait mis l'eau en hauteur, j'ai pas trop compris. Donc ça c'est bon, les amis. On a terminé, on va dire, on a terminé le truc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hors caméra la salle de récupération des PNJ, je vais directement aussi les mettre dans l'endroit, c'est-à-dire dans l'enclos ici. Et je pense qu'on se retrouvera après quand j'aurai terminé cela. Et ensuite, eh ben, on aura terminé l'épisode parce qu'on est déjà à 23 minutes, les amis. Voilà. Donc, je vais essayer de remonter. Allez, hop. Voilà. Vous pouvez voir que c'est vraiment très très simple, hein, les amis. Vous avez juste à mettre les barrières, les pancartes sur les côtés. Et ensuite, ça fait directement le guidage à eau. C'est vraiment très très bon, les amis. Donc, moi, je vous dis rendez-vous bah, tout de suite. Donc, quand j'aurai terminé. Voilà, bisous à tous. Et, enfin, bisous à tous. C'est pas la fin de l'épisode, mais à tout à l'heure, les amis. Ok, les amis. Donc, on se retrouve pour la seconde partie de cet épisode. Donc, juste avant, je vais faire le petit rituel, les amis, comme vous le savez. Donc, RB, LB, RB, LB. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, ils commencent à avoir même des petits cœurs. Ça, c'est très très bueno quand même ils sprintent vers lui ou elle, je ne sais pas. Pour voilà, vous avez compris. Et donc voilà, donc j'ai placé donc les villageois, les deux petits villageois. C'était vraiment très très simple. Je pense qu'hors caméra, ça a dû me prendre 10-15 minutes maximum. Comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai placé également des dalles en diagonale ici et là-bas. Tout simplement parce que comme vous le savez, quand il y a une hauteur, voilà, je sais pas si on peut la voir un petit peu, vous pouvez voir là, il y a une petite hauteur. Donc j'ai préféré au cas où si ça, s'il y a un souci ou quoi, si il meurt, je ne préfère pas, voilà, je préfère vraiment sécuriser et avoir de bons résultats. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait donc une petite salle, donc ici, donc là par contre, voilà. Juste ici pour vous montrer, donc là les canaux ils marchent très très bien. Là par contre, je suis obligé de laisser ce bloc tout simplement parce qu'il y a la porte au-dessus. Je peux mettre une dalle, mais je préfère quand même garder les blocs pleins parce que je ne sais pas si ça peut compter ou pas comme une. On va dire une maison. Voilà, donc si je mets une dalle et une porte dessus, voilà, je préfère vraiment que ça soit un bloc plein. Mais à mon avis, les villageois ne devraient pas mourir vu que ça va quand même assez vite, le courant, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, voilà.
Et donc ensuite j'ai tout simplement donc fait une petite salle, hop, ici voilà, où ça va réunir tous les villageois dans ce coin. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit dans un coin. Donc ma salle c'est tout simplement une salle de 7 par 6, donc 7 de ce côté et 6 de l'autre côté. Donc attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 et 6. J'ai tout simplement mis des sources d'eau, j'en ai mis une, deux, trois, quatre et une dans le coin pour que ça arrive tous au même endroit, voilà, c'est-à-dire ici. Et quand ils seront ici, je pense que ça, on le fera au prochain épisode parce que là, on est quand même très très bien avancé. Hop, voilà, ils arriveront ici dans ce coin. Et nous, on mettra un système de minecart, système de redstone, et qui les enverra autre part pour le choix de la direction, si c'est des bons villageois ou des mauvais villageois. Voilà les amis, en gros, comment ça va se passer. Voilà, donc c'était vraiment très très simple, c'était vraiment pas un épisode très très compliqué pour le moment. Juste les villageois, donc vous, comme vous savez, les villageois c'est un petit peu compliqué pour le moment. C'est pas aussi compliqué que sur PC. Bon, sur PC, c'est vrai que je préférerais avoir la manière de PC déjà pour avoir des patates, pour faire une sorte de pataterie automatique. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis voilà, tout simplement, les amis. Donc, normalement, ils vont. Est-ce que c'est des bons villageois ou pas? Ouais, pas trop à vrai dire. Bon, ben, on va attendre un petit peu. Donc, enfin, moi, je vais. On verra ça tout simplement au prochain épisode, les amis. Moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, j'aimerais aller voir un petit peu l'usine à cactus, si ça a produit ou pas. Il faudra qu'on la termine, cette usine à cactus, parce qu'elle n'est pas terminée, les amis. Ouais, elle n'est pas terminée. Franchement, j'aime bien ce coin. Vous savez quoi? Je pense que j'aurais même dû me mettre au niveau de ce coin-là pour. Quand j'ai commencé mon let's play, j'ai pas pensé à me mettre vers ce niveau-là. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Alors par contre, je ne sais pas si l'usine elle tourne, même que je sois là-bas, mais bon, à mon avis, je ne pense pas vu que je suis très très loin. Ah si, quand même. Si, si, si. Bon, vous pouvez voir que ça marche très 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 bien. Hein. Sachant qu'on n'a pas terminé l'usine, il faudrait que je fasse un cactus géant, mais bon, j'attends qu'il y ait les biomes en Ardennet clé. Parce que sinon, voilà, ça risque d'être compliqué. Comme vous le voyez, il me manque une ligne et demie de cactus. Donc voilà, on est vraiment très très bien. Et ensuite, je pense qu'ici, ça sera un petit peu le territoire donc de tous les colorants, où on fera donc les fleurs, les pieuvres là, pour les pieuvres, les poulpes, tout ça. On va vraiment très très bien avancer, les amis. Donc bon, mais voilà les amis, donc j'espère que cet épisode, eh ben, il vous aura plu. On est déjà au 53e épisode, ça passe très 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 vite les amis. Plusieurs personnes me demandent où est-ce que tu pourras mettre la map en téléchargement. Je ne peux pas les amis, tout simplement parce qu'on ne peut pas encore sur Xbox One, je le répète, transférer des maps pour les mettre sur YouTube ou autre part. Voilà les amis. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur ma chaîne YouTube les amis. Voilà, il y aura du Minecraft comme d'habitude, tout le temps du Minecraft sur console. Voilà les amis, moi je vous dis rendez-vous à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous et ciao.